Match. Bonjour Pocoyo, bonjour Nina. Bonjour. Ah, vous faites une partie de tennis. Pocoyo! Tu viens de marquer un point. Et un point pour Nina. Oh, bonjour, Pato. Que se passe-t-il? Tu dis que ces points ne comptent pas? Mais, Pato, pour quelle raison? Oh, je vois. Il n'utilise pas la bonne balle, c'est ça? Un ballon de basket? Tu es sûr, Pato? Magnifique! Un point pour Pato. Qu'est-ce que tu dis, Ellie? Ce point ne compte pas non plus? Le ballon n'est pas entré dans les buts. Mais quel but? Ellie a marché sur la ligne? Mais quelle ligne? Fonce, Pato! Allez, marque! Des patins à roulettes maintenant! En voilà une nouvelle règle!
Et la fin du match. Oh, vous avez vu cette pagaille? Tout ça pour marquer un point. C'est un peu bête, non? Ce qui compte, ce n'est pas de gagner. Ce qui compte, c'est de faire du sport en s'amusant, n'est-ce pas? Oh là là. Bon, eh bien... Au revoir tout le monde. La machine a remonté le temps. Bonjour Pocoyo, bonjour Nina. Bonjour. Ah, vous vous êtes installés pour faire un pique-nique. Il y a quelque chose qui sent délicieusement bon. Oh, tu as fait des cupcakes, Ellie. Je suis sûr que tu t'es donné beaucoup de mal. Comme ils sont beaux! Ils ont l'air succulents! Bravo, Ellie! Oh là là! Pauvre Ellie! Tu as passé tellement de temps à cuisiner! Tous les cupcakes sont tombés par terre! Quel dommage! Une machine a remonté le temps, Nina. Ah, j'ai compris. Comme ça, vous pourrez revenir en arrière juste avant le moment où les cupcakes sont tombés par terre. Excellente idée, Nina. Mais comment fonctionne-t-elle, ta machine? Incroyable! La machine nous a fait remonter dans le temps d'une minute entière. Dites les amis, vous n'auriez pas oublié quelque chose d'important? Non, Pocoyo, pas tes couverts! La peau de banane! Il ne faut pas qu'Ellie marche dessus et tombe par terre encore une fois! La voilà qui arrive! Va vite enlever la peau de banane, Pocoyo! Bon appétit, les amis. Il ne reste plus que des miettes. Ah, j'ai compris! Vous voulez remonter dans le temps pour pouvoir remanger les cupcakes. Oh là là, mais où sommes-nous? Ah, nous sommes au Far West, le pays des cowboys. Mais ce ne sont pas des cupcakes qu'Ellie est en train de cuisiner. Boire.
Cette fois, j'ai l'impression que nous sommes à l'époque préhistorique. Oh, la peau de banane. Excellente idée, Pocoyo. Ouf, vous êtes sauvés. Vous voilà revenus au temps présent et juste à temps pour déguster les délicieux cupcakes d'Elly. Oh là là, pas de chance les amis. Je crois que vous êtes arrivés trop tard. Non, attendez, voilà Elly. Elle a refait des cupcakes rien que pour vous. Au revoir les amis. Mots en pagaille. Vroom, vroom. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Vroom, vroom. Les enfants, pouvez-vous me dire à quoi joue Pocoyo? Au jeu de construction. Au jeu de construction? Ah non! Je crois que Pocoyo joue aux petites boîtes... oui, donc, au jeu de construction. Mais oui, vous avez raison, les enfants, ce sont bien des jeux de construction. En tout cas, c'est aussi amusant de jouer avec des blocs qu'avec des petites voitures. Bravo! Regardez les enfants, Pocoyo a construit une grande et magnifique... Mais, c'est curieux, d'où vient cette horloge? Voilà une excellente idée. Rien de tel qu'une bonne sieste à l'ombre de ce majestueux... Tout ça a l'air délicieux, Pocoyo. Tu pourrais peut-être te préparer un petit encas. Ah, tu as envie d'un sandwich. Tu as bien raison. Pour commencer, tu prends une tranche de... Très bien. Ensuite, tu prends une ou deux tranches de... Miam, miam. Tu vas te régaler avec ce délicieux... Bon, eh bien, puisque tu n'as plus de sandwich, tu peux au moins jouer du banjo. C'est
c'est vrai. Il n'y a rien de plus amusant que de glisser sur un... Je suis d'accord avec toi, Pocoyo. Quelle pagaille! Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Je crois que je l'ai compris. Nina joue au jeu des mots magiques. Lampion. Bravo, Pocoyo. Des lampions pour faire la fête. Quelque chose t'ennuie, Pocoyo? À bientôt, les visiteurs de l'espace. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Pocoyo, je crois que ce petit martien voudrait prendre une photo de toi. Ces fleurs sont magnifiques, Pato. Regarde, j'ai l'impression que ton jardin leur plaît beaucoup. C'est très ressemblant, en effet. Comment se passent tes cours de danse, Ellie? Tu as raison, c'est très important de faire des étirements. On dirait que tu as de nouveaux fans. On a vu beaucoup de petits martiens aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils veulent faire des selfies avec ton sandwich.
받아서 여섯한테 가장 이제 넣어서던 어? 와그 더? 기? 응? Attention, Nina! Pour les petits martiens de rentrer chez eux, sur leur planète. Il a dit merci pour tous les amis. Que vous avez tous passé une journée extraordinaire, eh bien, tant mieux. Ellie dit que vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir les voir. Mais ne venez pas tous en même temps la prochaine fois. Attendez! Oh, je vois! Tu veux leur donner des sandwichs pour leur long voyage? C'est très gentil à toi, Pocoyo. Au revoir, les amis. Et à bientôt.